Bonjour à tous et bienvenue sur ce let's play de Batem Kaitos. Entre temps, j'ai changé d'émulateur. On était arrivé ici la dernière fois, ça comptait à planter. Un abus de glace. Je bloque le passage, je n'ai vraiment pas de chance. Je risque ma vie pour venir jusqu'ici. Et je ne peux plus avancer à cause d'un éboulement. Avec des explosifs, je pourrais dégager la voie. Mais bon, entre eux. Eh bien, justement, j'en ai. La route est bloquée par des rochers. Si nous pouvons faire exploser ce rocher, nous n'aurons plus besoin de les déplacer. Get it on! Give me a break! Is that the best you can do? Ha!
plus de nomades qui n'est pas pour moi. Walk in the park. Merci beaucoup, on dirait que je vais pouvoir livrer mon lait aujourd'hui. Ok. Hold hard. This is for real. That was a pretty sweet.
chanceux, 1% de chance ils sont... Je reste sur cette cassette pour m'entraîner, en plus ça fait partie d'un régime anniversaire. Un entraînement quotidien est la meilleure façon de jeter son corps, vous devriez ça. Get it on! Pretty sweet. Whoa.
Look at that. Regarde ça, Nanette. I'll need your help to take out Giacomo. Back me up, okay? Bien sûr, je suis avec toi. Oh, wait a minute. You're still acting a little strange. I'll tell you again, just in case. Remember, the guardian spirit's power in battle depends on its relationship with the one it's guarding. I'm talking about trust here. If it's lost, in other words, if I no longer trust your advice, your powers won't be as effective in battle. I do trust you, and find your advice helpful. But this won't work unless our trust is mutual, okay? When you have advice for me, think about how it might affect our bond. A healthy bond will help us fight our enemies in the long run. You see? That's the spirit. Let's get going.
répéter à personne ce qu'il vient de dire. Elle est trop souple pour se rendre compte de ce qu'il raconte. Vous les avez vus, ces serpents qui sont venus avec ces vaisseaux, on dirait des animaux enrochés. Ils deviennent violents. Pour un oui ou pour un non, c'est effrayant. Si vous êtes raisonnable, vous allez vite comprendre qu'il vaut mieux les éviter. C'est la deuxième fois dans l'espace de quelques semaines que des gens de l'Empire viennent me rendre visite. La première fois, ils sont venus avec un vaisseau beaucoup plus petit. Il s'agissait probablement d'une mission de reconnaissance. Mais cette fois, ils sont venus avec un vaisseau gigantesque. Je me demande ce qu'ils cherchent. Aurais-tu trouvé les anciens trésors d'une civilisation perdue? Les deux spécialités de cette taverne sont le cidre des montagnes, mis en bouteille assez balafrée, et les côtelettes de vachon. Nous ne servons que de la viande de jeune vachon. Arrête. J'ai tout droit de célébrer. On laisse des côtelettes marinées toute la nuit, mais les arrêts. Comment les arbres du site de montagne? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça ne vous met pas mes lois à la bouche? Vous voulez goûter, hein? Récemment, j'ai vu un immense vaisseau qui s'y rushait vers le manoir du gouverneur. Je suis presque sûr que c'était un vaisseau impérial. Tout l'extérieur a été recouvert. C'est un mélange de mauvais goût et d'ostentation. Oups, je ne devrais pas dire des choses pareilles. Faites comme si je n'avais rien dit, d'accord? Vous devez être un voyageur bienvenu à Faircade, la ville la plus prospère de Salatine. Ici, il y a plein de choses à faire. Nous avons un magasin de Magnus, un bistrot et un tas d'autres choses. Si vous montez sur la colline, vous verrez le manoir vide d'un truc bien meilleur. Les invités de l'Empire y résident en ce moment. On peut donc y entrer que sur invitation. Merci. Qu'est-ce qui voulait? Vous ne voyez pas que je me promène avec ma copine? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir ailleurs ces discussions? Croyez-vous vous pousser? Qu'est-ce que vous essayez de me parler? Vous n'avez aucune chance, vous savez. Je suis déjà presque, mais vous pouvez le faire. Cette route est étroite pour une vieille comme moi. Je crois que je devrais déménager à Cébalaré. Et ailleurs, ce serait beaucoup plus tranquille pour moi. Ah oui, j'aimerais vous donner ceci car j'en ai plus besoin. Personne ne les a reçus. Vous regardez une plate-bande de fleurs négligées. Je ne devrais pas dire ce genre de choses à des inconnus. Un gigantesque vaisseau est amarré au manoir du gouverneur. Certains prétendent que c'est un vaisseau impérial, en tout cas, son propriétaire doit être très puissant. Si ça se trouve, c'est le vaisseau de l'empereur Jules de Blanc. Mais ce n'est pas l'empereur. Même si ce n'est pas l'empereur, quelqu'un d'important séjourne actuellement sur cette île perdue. J'espère qu'il ne se passe rien de grave.
c'est elle et le mecha sur votre dos. C'est donc vrai, les gens de l'Empire préfèrent des ailes artificielles. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de compter sur ce genre d'appareil? Décoller, cuisiner avec ses propres mains, marcher, courir avec ses propres jambes. Si vous voulez mon avis, c'est ce qui donne son sens à la vie. Ouais, c'est très rigolo, c'est comme si je voulais voler au-dessus d'un nuage. Wow. Bonjour, tu as trouvé des fragments de la carte de coupe, bien sûr. Oh merci. Aujourd'hui, tu m'as apporté poupe boussole. Je te serais vraiment reconnaissant. Puis-je commencer à restaurer la carte de la déconstellation? Eh bien, procédons à la restauration. Sa propre nation. Les cinq nations sont les suivantes. Celle à sud, notre nation. Diadème, le pays des nuages. La nation de l'arc-en-ciel. Mira, le pays des yeux. Et bien entendu, l'empire d'Alpha. Et certains prétendent qu'il existe une autre île, une autre nation. La légende parle d'un pays peuplé de sorcières au bout du monde. Mais j'ai du mal à y croire. Thank you.
monsieur à côté de moi, c'est mon papa. Il est plutôt déprimé en ce moment. Bon, ne vous occupez pas de papa. Il y aurait des oiseaux bleus de bonheur quelque part sur cette île. J'aimerais trop en voir. Si vous en trouvez un, promettez-moi de me le ramener, d'accord? Que faire? Je m'entends encore me dire, mais si je t'ai adopté, c'est moi ton père. Je n'ai jamais été confronté à une épreuve aussi difficile que faire. Je t'avais pourtant dit de ne pas sortir. Les soldats impériaux sont partout. Que c'est ce qu'il sera capable de faire. Mais si je reste enfermé, je ne pourrai pas venir te voir. L'Empire ne vous fera aucun mal, j'en suis sûr. Nous n'ont rien fait jusqu'à maintenant, et ça ne veut pas dire qu'il en sera toujours ainsi. Ne t'approche pas de ces contrées. Ces contrées. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Le ciel est bleu, les nuages sont verts, le petit matin est l'arbre. Ah, que de bonnes sensations, vous devriez essayer aussi. Merci. Je commence à avoir la tête. C'est le pas de cause fraise pour Galem. C'est plus proche. Voisin interne de chevalier et de nuages. Le Dédem est arrivé par le roi à la Téquion, renommé pour sa sagesse et sa vertu. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne pensez pas pouvoir quitter Diadème avec vos ailes. Nous avons tous des ailes, mais il nous est impossible de voler d'un à l'autre. C'est peut-être parce que nos cœurs se sont affaiblis, tout comme nos ailes. Pour aller à Diadème, le pays des nuages, il faut prendre le paquebot qui est devant vous. Appelé Kisman habite près de cette grotte. Il dit toujours tu es comme moi quand j'étais jeune, mais faites les gens pour les exploiter. Vous ne devriez pas vous emmener à moins que vous n'ayez rien d'autre à faire de votre temps. On ne dirait pas que mon sterne nuage va guérir de pouvoir de nouveau voler un jour. Et puis, d'après les rumeurs, l'Empire va tenter d'envahir notre nation. Monster nuage, vampire, voilà, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Si vous continuez tout droit, vous verrez une grande porte, c'est l'entrée du manoir du gouverneur. On dirait que vous n'êtes pas du coin. Si vous allez voir le gouverneur, comportez-vous comme si vous le saviez. Bonjour, vous connaissez Kisman? Je suis désolé.
désolé, je n'avais pas fait attention à vous. Depuis que Marie est malade, plus personne ne vient vous rendre visite. Je suis ici comme chez vous. Je suis sûr que Marie appréciera votre compagnie. Ce qu'il y a là-dedans, hein, qu'est-ce que c'est? Des décorations moches comme tout, des tableaux mal peints. On dirait qu'il a des objets multidimensionnels. Merci d'avoir accepté d'aider mon mari. Vous voulez bien me donner l'arbre généalogique? Regardez-moi le signe. Je suis sûr que ça vous aidera à comprendre comment l'utiliser. C'est Isaac, je suis Tamé. Je vais signer l'arbre généalogique. La cinquième et actuelle épouse de Kisman ne fait vraiment pas son âge. Et voilà, maintenant que je vous ai montré comment faire, ça devrait être simple, n'est-ce pas? Vous pouvez vérifier le nombre de personnes ayant signé en ouvrant l'arbre généalogique. Si vous avez du mal à retrouver quelqu'un, pas de panique. L'approche ou sans doute des indices à vous deux. Ça sera une très belle fête si tout le monde vient. J'ai tellement hâte. Je vous en prie, retrouvez les membres de votre famille. Mon mari est vraiment malade. Je
do you want? One of our Empire's battleships is in berth at this mansion. Move along. Nothing. Well, I didn't expect them to usher us through the front door. What should we do? Stirring things up with a fight wouldn't be too wise, I suppose. Did he really sneak into the Lord's mansion? How did he do that? How should I know? There could be a hidden entrance somewhere or something. I'm surprised he didn't get caught by the Imperial soldiers. A hidden entrance? If only I could get my hands on that kid and ask him. Je viens aussi. Qui aurait-il ?
peu loin à la détente. Hein. C'est la petite fille assise sur la rambarde. Quel petit effet, prends vite une arme. D'accord, j'emmène tout de suite. Marché conclu, dans ce cas, je vais attendre à la maison. Vous avez promis, n'oubliez pas. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Je vais signer un régime. C'est la garçon de 5 ans, petit fils de Guzman, il est aussi mis à la mission que son grand-père, mais il est timide et enfermé. N'oubliez pas, je vais attendre à la maison, alors ramenez Rush, vous avez promis. Je vais arrêter ici pour cet épisode.